un fan du patrimoine. وعمل شريط وثائقي على قصور المنوبة نعطيه الكلمة باش يقدم لنا شريط الوثائقي نتاعو. مرحبا بكم. أنا قدم روحي نجيب بن عزوز مخرج سينما. عملت عدد أفلام وثائقية أما ركزت على الباتريمون على الانفيرونمون على الباتريمون. منهم الفيلم اللي عملته عام 2008 وزيد نقول اللي دخل في السونسور الى ايتي سونسوري في البريود تاع بن علي ولا سونسور ضحك شيء ضحك معناها الى ايتي سونسور جو بارلون فرونسي باسكو جو كونستاتي كي جو بو بارلون فرونسي باسكو فوالا لا شوز ليروني ولا سا ايتي سونسوري باسكو لو بريزيدون بن علي il a voulu éliminer l'histoire des baies. Pour lui, les baies, ça n'a jamais existé en Tunisie. Ça ne fait pas partie du patrimoine de l'histoire de la Tunisie. Alors, mon film a été censuré, il n'a pas été acheté. Il a été presque radié des télévisions tunisiennes. Le ministre, je peux le dire même sans peur, le ministre Mohamed Aziz Achour n'a pas voulu l'acheter par peur de perdre sa place en tant que ministre. Parce que avant, chez nous, si vous êtes ministre, c'est pas par vocation ou par amour au pays. C'est pas pour le pognon, quoi. Même pas pour la culture, c'est pour l'argent. Alors moi, ce film-là, il vient de sortir. C'est cette année que la censure a été enlevée, c'est-à-dire par le nouveau gouvernement. Pas le gouvernement de Ranouchi, hein, ce gouvernement actuel. Là, j'ai le droit de le présenter. Et là, je peux dire que c'est l'avant-première, je l'ai dédiée à l'association de monuments de Manouba, comme je suis de la Manouba. Mais malheureusement, je ne dis pas malheureusement, c'était 32 minutes, mais l'ancienne version a été censurée par l'ancien régime. Elle m'a été confisquée, mais je vais la voir d'ici 2-3 mois, je ferai une autre projection plus intéressante. Mais celle-là, c'est 15 minutes, mais ça suffira pour comprendre l'histoire de la Manouba et des châteaux béical de la Manouba. Voilà. Je suis obligé d'être payé pour le...